Ils sont 1097 nouveaux soldats à se voir présenter le drapeau national auquel ils ont prêté allégeance après une initiation extrêmement rigoureuse aux différents métiers des armes. D'abord, c'était pour sceller le pacte qui va les lier à la nation sénégalaise par leur engagement à servir la nation sous les drapeaux. Mais également, c'est un moment fort dans la mesure où c'est la cérémonie qui marque leur acceptation, leur entrée dans la communauté militaire. Ils étaient au nombre de 1097 au total, dont 49 filles. Ces soldats vont forcir les rangs des différentes armées sénégalaises avec comme viatique être une référence dans tous les théâtres d'opération au Sénégal comme à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez bien écouté dans mon discours, je leur ai demandé d'être le porte-étendard de leur génération et de la jeunesse sénégalaise en général. C'est parce que le militaire, c'est d'abord un savoir-être, un ensemble d'attitudes enviables qui font que le soldat reste une référence pour le reste de la société. Une mission aujourd'hui à la portée de ces jeunes épaules.